ABC, un point isocèle en A, tel que BC égale 6 cm. La hauteur relative à BC, c'est-à-dire celle-ci, a pour longueur x cm. Cette longueur, ce petit segment, ça mesure x cm. BCDE est un rectangle. Bien sûr que x bouge, hein. X peut être plus petit, plus grand, mais x ne doit pas dépasser 10, parce que 10, c'est la hauteur de A jusqu'ici. Tout ça, ça fait x. Pardon, tout ça, ça fait 10 cm. Exprimé en fonction, ça c'est le premier point, exprimé en fonction de x, l'aire du triangle ABC. L'aire de ce triangle, comme ce triangle isocèle de base 6, 6 fois la hauteur x sur 2, ce qui donne 3x. Bien. Alors, après, on va exprimer l'aire de BCDE. La longueur ou la largeur BC, c'est 6. R de BCDE égale 6 fois. Et cette dimension-là, elle est facile à calculer. C'est égal à tout ça moins ça. Et tout ça, ça fait 10 moins ça qui fait x. 10 moins x. C'est la dimension CD qui est égale à BE. Autrement dit, 60 moins 6x. Ça, c'est l'aire du rectangle. Ça, c'est l'aire du triangle. Et bien sûr, on pourrait se demander quelle est l'aire de tout le domaine, tout ce domaine qui est là, A, B, E, D, C. L'aire totale, quoi. L'aire totale est égale à l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. 3x plus 60 moins 6x. On réduit. 3x moins 6x, ça fait moins 3x plus 60. Et on reconnaît ici une fonction affine. F de x égale moins 3x plus 60. Coefficient directeur moins 3. Ordonnée à l'origine, 60. Voilà. La variation de l'aire du domaine A, B, E, D, C en fonction de x. Et bien sûr, cette variation peut se représenter sur un graphique. On va choisir l'unité convenablement sur l'axe OX et OY en fonction des valeurs qui sont là. Alors, pour x égale 0, f de 0 égale, calculer f de 0 égale moins 3 fois 0 plus 60, f de 0 égale 60. Et je décide qu'ici, j'ai le point de coordonnées 0, 60. Parce que compter 1, 2, 3 jusqu'à 60, ça fait longtemps. Et il faut économiser le temps pour sauver la planète. Pour le x qui est maximum 10, allez, 10 ici. Bien sûr, les unités ne sont pas égales sur les deux axes. Pour f de 10, remplacer f de 10 égale moins 3 fois 10, moins 30 plus 60, ça fait 30. F de 10 égale 30, respectons les proportions, 6, 6, 60, 30, c'est la moitié. Et voilà, le deuxième point qui appartient à la droite représentative de cette fonction. Donc, la droite représentative, c'est en fait un segment, parce que x, je rappelle, est compris entre 0 et 10. La hauteur, je rappelle, de notre figure, ça est maximum 10. Donc x, la hauteur de ce triangle, ne peut être que maximum 10 et minimum 0. Et voilà. La représentation graphique de cette fonction, c'est ce segment pour x compris entre 0 et 10. Ce segment qui fait partie, bien sûr, de la droite représentative de la fonction affine quand x prend les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Voilà la variation de cette aire qui pourrait être bien sûr plus exploitée, mais nous on s'arrête là.